Salut les viewers, c'est Marcus Paulus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis, avec ce robot, ce nouveau robot qu'on a construit dans le précédent épisode et que je n'ai pas encore normalement terminé. On va essayer de le faire décoller, et il décolle, si c'est pas parfait ça, chers amis. On avait quand même un doute sur l'utilisation des commandes, mince, je vais y arriver. Des méga, enfin des plasmas simplement sur tout ce qui est le, on va appeler ça le... Hop, je vais me faire défoncer. Alors on peut voir qu'au final il est assez tanky. On te voit tout ce qui vient de bouffer dans le nez. Oh la gueule, ouais, il est même très tanky. Et il continue à voler, hein. Et ça c'est pas génial. Bon, les commandes sont particulières. Mais il continue à voler. Est-ce qu'il va redécoller, cela dit? Oui. Ah non. Oui, non. Difficilement. Bon. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc l'armement est mal positionné à l'avant, sûrement mal positionné à l'arrière. Il va falloir que je trouve des moyens de régler ce problème, et j'en ai quelques-uns sous les yeux d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose, ce qui est une excellente chose. Oui, j'ai des idées, ça y est, j'ai des idées pour ce robot. Je sais comment je vais gérer cette histoire, pardon, je vais gérer cette histoire. Hop. Ok. Faisons feu sur cette saloperie. Ah, je ne peux plus. Boum, tant pis. Alors. Hop, joli, joli, joli. Joli tir. Bon, on y retourne. On tente de redécoller. J'ai peur qu'à partir d'un certain... Voilà, voyez. J'ai peur qu'à partir d'un certain niveau, il ne veuille plus décoller. Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre au niveau des... Si, c'est bon. Vous savez, on avait déjà eu ce problème-là avec un autre robot volant précédent. Le problème étant que on avait un souci de... comment ça s'appelle de... Ah, mince. Encore. Ah, je suis passé sur la mauvaise arme. Quel dommage. Ok. Ok. En douceur. Ah mince. Allez, oh dommage. Ah, je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Ça, c'est pas la fête, chers amis. Ah, quel dommage. Vous voyez, donc il est tanky, il est carrément tanky même, hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, bon, bon. On, par contre, lui, il saute comme un gros malade. Donc apparemment, il utilisait un power booster sur un sniper. Est-ce que c'est une idée à prendre en compte? Vous m'avez conseillé plutôt de mettre des... Ah, voyez, je crois qu'on a atteint la fameuse limite dont je vous parlais. Je crois qu'on a atteint la fameuse limite dont je vous parlais. Le décalage qui fait que... Ah non, c'est bon. Faut que j'attende juste qu'il tombe sur le... au niveau, bah, directement au niveau de la queue, hein, littéralement. Il n'y a pas d'autre terme. Par contre, oui, ces canons ne servent à rien. Hop. Ces canons ne servent strictement à rien. Ok. Eh ben non, je suis solide, moi, monsieur. J'ai pas un robot qui tient pas le coup. Et non, toujours pas. Je continue à voler proprement, sans le moindre souci. Hop, bon bah là je vole beaucoup moins bien cependant. Hein. Quoique si, je vole toujours, regardez ça. Bon, il est extrêmement sensible. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment les rudders sont placés très... De manière très très proche. Mais génial. Génial. Il est tanky, sa maman. Il est plus tanky que mon Eagle, dis donc. Ouais. Et peut-être plus rapide aussi. Oh, c'est bon, ça. Oh, mince, il y a quelqu''un. Ok. Ok, on tourne. Hop.
On a plus de tours. C'est vrai que je suis pas super pratique pour prendre les tours. Faudra que je règle ça, chers amis. Faudra qu'on règle ça ensemble. Hop. Oh, on me pique mon kill. Hop. On va aller directement chez eux. On va pas se poser de questions. On va attendre un petit peu. Hop. Allez. Dommage. Bon, on aura fait quelques dégâts. Moi je suis content. Par contre, on va l'avoir perdu celle-là. On va l'avoir perdu. C'est vraiment dommage. Donc, replacement des armes comme il faut pour s'assurer une meilleure efficacité au combat. Bon, GG, il le mérite. Il le mérite. Faut admettre qu'il le mérite. On est combien tième dans notre... Oh là, on a 900 points. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. On repop? On peut pas repop, dommage. $110 000, c'est pas... Ah, level 108. Génial. On monte donc à 140. Oh, c'est bon, t'arrêtes avec le... C'est ça? Oui, je me trompe pas. Parfait. Bah écoutez. Ah oui, mais ça va coûter, oui, forcément, des flops. Oh, 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 oh. On va bien voir. On va bien voir, chers amis. On va tenter ça. Hop. Je vais juste, par contre, du coup, remettre une forme plus classique à l'avant de cet avion. Je reçois des mails. Je vous rappelle que la tour est censée revenir dans pas longtemps. Je m'inquiète toujours, à vrai dire. Le seul véritable souci de ce truc-là, c'est qu'on va devoir aussi supprimer ce qu'il y a à l'arrière. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, Marcus? Tout simplement parce qu'en fait, ça, ça fait contrepoids. Ça fait contrepoids. Hop. 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 Et comme ça fait contrepoids, il y a danger. Il y a connerie et il y a danger. Voilà. Donc il faut que je m'assure de l'équilibre du robot. Hop. Ok, ce qui nous laisse donc quelques flops maintenant. Quelques flops des plus agréables. Alors. Hop. Ou alors je pourrais même tenter un serré ici pour les 4. Je suis serré là. Hop, voilà, un serré ici pour les 4. Alors je vais les mettre tout de suite, on va bien voir si ça passe, de toute façon. Ah, ça passe pas. Si, ça passe. Génial. Non? Ah, il veut pas sur un... Oh, la gueule. Ah, mais vous faites tellement bien vos choses chez vous, Free Jam, c'est génial. Vous les faites tellement bien. Oh là là. Ah, je m'étonne plus maintenant qu'il m'envoie pas de compte Steam. De compte, pardon. De compte, mince. Presse. Excusez-moi. Ça m'étonne pas. Hein. Vu comment je crache sur leur jeu parfois. Souvent, faut être honnête. Hop. J'espère que ça va pas m'empêcher de le faire. Hop. Crac, voilà. L'avantage c'est que ça va rendre les ailes encore plus solides. Enfin les trucs encore plus solides au niveau des ailes. Donc ça c'est une bonne chose, clairement. Voilà, là ça passe. Hop.
On refait la même chose à l'arrière. Hop. Crac. Voilà, vous voulez des tutos de construction? Bah écoutez, je pense pas que je peux faire mieux que ça, hein. Vous m'en réclamez beaucoup, je peux pas en faire tout le temps, malheureusement, hein. J'ai pas de compte presse, je peux pas faire de robots pour tous les tiers, même si c'est plus des tiers en fait, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, c'est compliqué pour moi d'en faire. Du coup, oui, je peux pas trop me le permettre. Par contre, du coup, ce que je pourrais presque faire... Donc là, je vais pas avoir les flops pour le faire. Autant le préciser tout de suite, je vais clairement pas avoir les flops pour le faire. Ce que je pourrais faire, c'est réitérer la même chose en haut. Pour le moment. Je dis bien pour le moment. Même s'il faut que j'arrive à retrouver le sens. Si ça devait être ça. Hop. Crac, crac. Là, c'est pareil, c'est ça. Et ici, c'est ça. Hop. Voilà. Crac. 1, 2, 3. Ok. Hop. Et enfin, celui-ci. Ça va solidifier les ailes un gros coup, par contre, ça, c'est génial. Et je vais mettre, toujours sur le même principe. Hop. Alors là, par contre, comment je peux choisir de les mettre? Parce que si je mets... Ce que je pourrais faire, regardez. Si je mets deux cours à l'avant, je pourrais pas tirer au niveau des ailes. Si, c'est bon. Si je mets... En fait, non, je peux les mettre comme ça, en fait, y'a pas de soucis. Je pourrais même, d'ailleurs, les mettre comme ça, mais je pense que ça sera trop serré. Je vais peut-être les mettre comme ça, voilà. Hop, centré. Et quand j'aurai suffisamment de flops, c'est-à-dire là, je suis à 1200, il m'en faudra 1, 2, 3, 4, donc ça fait 1600. Je pourrais en mettre un petit peu plus de 1600 maintenant. Enfin non, maintenant un peu moins de 1600, mais dans deux niveaux en fait je pourrais tous les mettre normalement. Sans qu'ils soient protégés malheureusement, c'est ça le seul véritable pépin. Ok, donc vous voyez là il me faudrait, j'ai 100 flops encore. Il m'en faudrait encore 8 flops pour en mettre le dernier. Donc en attendant, ce que je peux faire... c'est mettre un long rod et le mettre avec, voilà, et on va essayer de repartir avec. Voilà, à tout de suite chers amis. Voilà, chers amis, on va bien voir s'il est efficace ou pas. En tout cas il est stylé, il est complètement stylé. Ah, il vole plus. Ils volent plus du tout? Oh merde! Il est si déséquilibré que ça à l'avant? Tu peux pas m'aider? Oh merde! Ah, fait chier! Ah, je suis désolé. Je pensais pas que ça serait... Ah oui, c'est les petites armes, j'avais oublié qu'elles pesaient un poids de conneries. Allez, allez, soulève-toi. Oui, c'est bon, il a décollé. Fou, tant bien que mal. Aïe. Ok. Ils sont nombreux, dis donc.
Born Free. Super nom. Il me saoule ce snipe à nous sniper chez nous. Ok, cette partie va être courte. Ok. Ok. On a commencé déjà par prendre très très cher. De plus, il a perdu en maniabilité à cause de ces trucs là à l'avant, comme c'est pas équilibré au niveau du poids. J'ai été stupide d'en mettre que 3, j'aurais même pas dû les mettre du tout. Hop. Donc, on a des potes là-bas. Aïe. Oh non. Oh non, pas ce trou. Pas ce trou. Non. Allez, pousse. Oh, dès qu'il y a contact, il s'arrête. Non, pas ce trou. Gah, respawn. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je serai en mesure de lui mettre aussi une... Tiens, bah, c'est peut-être ça que je vais faire en attendant. Oh la vache. Quelle horreur. Allez. T'avais l'occasion, là. Oh mince, je suis désolé. Allez, décolle. Décolle, je te dis. C'est bon. Non. Décolle, mon dieu. Allez. Oui, ça y est, j'ai réussi. Ok. Aïe. Il m'a supprimé tous mes boosters. La gueule. Des tirs aussi précis, t'es sérieux? Tu l'as fait exprès ou pas? Parce que s'il l'a pas fait exprès, franchement, je suis sur le cul, hein. Ok. Oh, quel dommage. Je pensais que ça se passerait plus mieux que ça. De toute façon, apparemment, mes potes ils sont passés devant moi et ils n'avaient rien à foutre. Oh, c'est d'une violence. Oh non. Cesse. Hop. Voilà. De toute façon, cette partie va pas être gagnée. Hein. Allez. Allez, vas-y, pousse, Simone. Allez, vas-y. Oui. Ça y est. Ok, on va essayer de passer par là. Ok. Ok. Il va m'avoir, je pense. Oh la gueule. Il vole pas correctement là. Pourquoi? Je trouve plus l'avant en plus, c'est une catastrophe. Alors toi, t'as vraiment cru. Ok. Remarque, si je peux... Si je peux pousser jusqu'au... Hop. Voilà. Enfin, des trucs comme ça qui sont efficaces avec mon robot. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire un robot efficace. Oh merde!
C'est chiant ça. Oh la gueule, il repop tout le temps. Il repop tout le temps. J'ai pas le temps de faire quelque chose. Catastrophe. Enfin bon. Ah, c'est saoulant. Gros problème d'équilibre. Énorme problème d'équilibre. Faut absolument que je règle ça le plus tôt possible. Hop, allez, prends ça. Dommage. Oui, je l'ai eu. Pourriez essayer de faire quelque chose. Merci. Allez, hop. Pourriez buter le machin qui me tire dessus? Ah, dommage. Quoi? Pourquoi c'est lui qui me montre? C'est lui qui m'a achevé, d'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, bah tant pis. Quoi? Oh, putain de lâcheur. Marc Ostic. Tu es un sac d'urine. Voilà. Une poche à pipi. Oh. Hop. Bon, c'est la fin de toute façon, donc. Il va falloir que je libère 25 flops. Je sais pas d'où. Oh, pas comme ça. Bas comme ça. Ok. On va essayer de décoller, c'est pas grave. On va essayer d'aller récupérer la tour. Je crois que d'ailleurs que l'Axid il est en train d'aller le faire. Oh la gueule! Ok. J'aimerais décoller s'il vous plaît. Et donc oui, les 25 flops, ce serait pour justement aller mettre un ski qui coûte extrêmement cher en flops, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. C'est une pièce très simple. Allez, pourquoi tu décolles pas? T'es tellement con. C'est tellement débile ce jeu sur des points. Si vous saviez le poids qui... Alors, le poids de la petite mitraillette, là, autoguidée, c'est beaucoup... C'est plus lourd que je sais plus combien de... Oh, la gueule. Hop, voilà, meurs. Tu m'auras pas. Bien tenté, mais tu m'auras pas. Par contre, je tombe, parce que je n'ai plus de bouclier de booster. Ok, c'est génial. Hop. Je pique les kills de tout le monde, c'est de mieux en mieux. Hop. Allez. Ah oh, bon, tant pis, c'est la défaite. C'est la défaite. C'est la grosse défaite, chers amis. Je suis désolé. Il va falloir qu'on re-règle tout ça. Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, c'est pas grave. Bon. 150 000 crédits, il faut qu'on règle ça. Alors juste pour voir, juste pour rigoler, chers amis, avec vous. Hardware. Un plasma dévastateur pèse
25 kilos. Un protoseeker pèse 340 kilos. Voilà tout ce que j'ai à dire. Vive la masse. Vive les masses, le système de masse. C'est comment. Vaut mieux être gros en fait, hein, c'est ça le truc. Hein. Soyez gros, chers amis, ça marchera mille fois mieux, vos vies seront beaucoup plus intéressantes. Donc, dans un souci d'égalité, on va dire, je vais recentrer tout ça. Hop. Crac. 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 Hop. Voilà. Bon, ce que je peux même faire, c'est d'ailleurs mettre que des cubes ici. Hop. Que des cubes, je sais pas en fait. Si je mets un grand, ça ressemble à quoi? Ah dommage, il manque un cube. Ok, je vais mettre des petits alors. Ok. Et donc ici, j'ai envie de mettre. Non, c'est moche, ça ne me plaît pas. Il faut que j'équilibre le poids du robot. Et je ne sais pas comment. Alors déjà, on avait parlé de ski, je pense qu'on peut les mettre, hein, il les mérite. Il les mérite amplement. Alors. Voilà, je vais juste tenter une chose. Enfin, déjà, faut que j'en achète des skis parce que bon, j'en ai plus. Alors, steering ski. D'ailleurs, ah, ça coûte assez cher. Hop, j'en prends 4 au total, 2 de chaque. C'est pas grave. Et donc. Donc là, ce n'est pas assez haut. Il faut donc que je place ceci. Et ensuite. Le fameux steering ski. Ce qui fait complètement, à dire comme ça, ce qui fait complètement russe. Hein. Hop, voilà. Et donc de ce côté-là, hop. Et c'est fait exprès, là vous allez voir que c'est fait exprès, chers amis. Hop. Les skis sont un cran au-dessus pour pouvoir l'aider à décoller. Et donc, maintenant. Maintenant, si je souhaitais placer déjà rien que les, on va placer rien que les comment les rods, on va les placer de manière plus centrale par rapport au robot. Hop. Voilà. Crac. Et donc là il me faudrait donc 1640 flops. Ce qui fait donc 20 niveaux de plus. Donc niveau 128 on pourra finir ce robot. C'est beaucoup hein, quand même, hein. Ça fait beaucoup de niveaux là. Hein. Pourquoi pas. Ce que je vais faire c'est que jusque là je vais l'équilibrer d'une manière peu banale. Hop, je vais faire ça comme ça et je vais en poser deux de chaque côté. Voilà. On va solidifier assez rapidement. Hop. Crac. Voilà. Hop. Hop.
Voilà, tranquillement, hein, on va faire ça tranquillement, vraiment le plus sereinement possible. Normalement, on est censé avoir équilibré plus ou moins le centre de gravité du robot. Ah, j'ai oublié un cube ici. Hop. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est l'avantage du parallélisme en plus. Donc voilà. Je pense qu'on va essayer quand même de partir avec lui en test, au moins pour voir s'il vole correctement, s'il décolle correctement surtout. C'est là qu'est le véritable pépin. Hop. Alors déjà, comment il va se poser au sol? C'est ça qui compte. Ok. Ok! C'est bon, chers amis, ça. C'est très très bon. Et donc... Ok. Bon, certes, la cadence de tir est pas géniale. Peut-être que je devrais améliorer la possibilité du robot de porter plus de... Oh, d'ailleurs, je pourrais... Oui, d'ailleurs, regardez. Je suis très très con. Je suis très très con. Mais faudrait que j'en rachète deux, mais je suis très très con. Je suis très très con. Je peux, sans le moindre problème, rajouter des canons. Quoique maintenant, sans le moindre problème, c'est pas dit. Mais... Alors déjà, il manque un cube là, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Hop. Crac. Sans le moindre problème, c'est pas dit. Je précise. Faut déjà que j'arrive à trouver le point où ils sont censés être. Donc là, c'est trop bas. Et là, ça me semble un brin trop haut. Et surtout, ça risque de toucher au niveau des... Des skis. Ça risque de toucher au niveau des skis. Parce que vous voyez, si j'en achète d'autres et que j'en mets un là et un l'autre bout, j'en ai beaucoup plus des canons dans le coup. Mais bon, c'est pas bon ça. Sur le principe, c'est pas bon. Mais il y a moyen. Et là, faudrait que je les centre. Faudrait qu'ils soient centrés. Question, est-ce que je peux en mettre un là? Est-ce que je peux mettre des trucs comme ça ici? Oui. Ça aurait pu être intéressant ça. Ok. Bon à savoir. Ok. Est-ce que ça veut dire que je peux en mettre là aussi en fait? C'est ça le truc. Regardez. Hop. Hop. Et là, j'ai plus qu'à placer un truc comme ça. Et encore, là, c'est un peu loin, hein. Je peux mettre un petit. Si je mettais un simple petit en plus. Voire même. Et attendez, je suis con, moi. Il y a une allonge. Ah, ça passe pas. L'allonge est pas assez grande. Hop. Voilà. Je pourrais. Et c'est au même niveau. Si c'est pas parfait. Donc ça veut dire que là, si je veux, je mets un 2... Hop. Ah, c'est peut-être un cran trop bas là pour le coup. Ou alors tout simplement, oui, tout simplement, je peux faire ça aussi. Hein. Ouais, là, sauf que ça va rentrer en conflit avec le reste. Par contre, si j'en mets un là. Hop. Hardware. C'est du hardware. Je prends 1 million, c'est pas grave, 1 million de la cagnotte. Hop. Et je dépasse les flops. Alors, ça fait combien? J'ai un total de 6, 26 flops. Je peux en mettre une. Non, même pas. Il m'en faudrait beaucoup plus. Si j'en supprime deux, là, si je supprime ces trucs-là. Si momentanément, je les supprime. Ça me fait un bombardier potable. Plus que potable. C'est plus que potable. Et du coup, en attendant, ce que je peux faire, c'est recentrer la touche au milieu. Vous dites que ça fait stupide, sûrement, hein, chers amis, mais c'est temporaire, ça. Ça, c'est temporaire.
sais que c'est ce que je voulais éviter au début, mais c'est temporaire et je sais que ça va bien se faire. L'avantage, c'est qu'on peut maintenant faire des choses temporaires, entre guillemets. Grâce au nombre de flops qui vont arriver bientôt. Hop. Via les niveaux. Oula, hop. Voilà. Et voilà. Et donc là, normalement, je peux en mettre une. Et il me reste 35 flops. Bon. Bon, on verra bien, chers amis. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Dans le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et n'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Hop. Et hop.